Salut les joueurs, c'est Pharos. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en extérieur. Et je vous emmène à Europa Park. Parc d'attractions en Allemagne. Du coup, c'est la première fois pour moi. Je vais essayer de vous emmener, de vous montrer un petit peu tout ça. A tout de suite. Silver Star. Alors là on sort du Silver Star, c'est juste la montagne russe, l'une des montagnes russes les plus élevées d'Europe, 76 mètres. On a fait une chute qui a duré 20 secondes, ça a paru juste super long mais c'était top. On a aussi fait deux autres attractions, une sorte de maison hantée, un peu comme on peut trouver dans la plupart des parcs d'attractions. Et on a fait le Volotarium, qui est une sorte de simulateur cinéma, on a les pieds dans le vide, c'était plutôt cool, tranquille. Donc là, après le Silver Star, on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire, mais je vous emmènerai quand même.
Bienvenue à bord du Poséidon. Oh,
J'ai presque fini. On retrouve les joueurs, ça y est, la journée à Europa Park est terminée et on a pu faire beaucoup d'attractions. Je m'attendais vraiment à plus d'attentes. Je vous ai montré tout ça précédemment. Franchement, je vous conseille vraiment ce parc d'attractions qui est vraiment cool, qui est super espacé, on y circule très bien. Et voilà, franchement, c'était une très très bonne journée. On a pu faire un peu plus une dizaine d'attractions, je dirais, avec en moyenne une trentaine de minutes d'attente. Petite astuce, la fin de la journée, c'est super intéressant puisque du coup, il n'y a plus que 5-10 minutes d'attente à chaque attraction. Même si on doit speeder entre deux attractions, c'est l'occasion de pouvoir faire des attractions une deuxième fois ou bien faire une attraction pour laquelle il y avait beaucoup d'attente dans la journée. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et en attendant, ciao et amusez-vous bien !